Le service militaire adapté est un dispositif d'insertion sociale et professionnelle en milieu militaire et qui est déployé sur les trois océans, donc dans sept territoires et départements d'outre-mer. En Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, à La Réunion, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Alors nous avons des offres de formation avec des parcours qui s'étalonnent entre 6 et 12 mois pour acquérir deux types de fondamentaux, des fondamentaux personnels, la reconstruction de soi-même, l'estime de soi, le goût de l'effort, la confiance, voilà, qui sont quelque part le socle pour ensuite bâtir et acquérir des compétences professionnelles, compétences métiers. Là, nous proposons une soixantaine de métiers dans les grands domaines que sont les métiers de la terre, les métiers du bâtiment, les métiers de la pêche et les métiers aussi de l'aide à la personne, les services, métiers de la sécurité, voilà, et puis bien d'autres encore. La coordination, c'est souvent la clé du succès, hein. C'est l'optimisation des différents acteurs avec les ressources consacrées. Je crois que ce sont les régions qui sont responsables de la formation professionnelle dans chacun des territoires et départements. Voilà. Alors nous au SMA, nous sommes un acteur qui travaillons avec les régions et nous travaillons aussi avec Pôle emploi, avec les missions locales, avec les associations, avec les entreprises bien sûr qui sont nos partenaires et pour qui nous recrutons des jeunes, nous formons des jeunes et ensuite nous insérons des jeunes à plus de 80% encore cette année.